Mais... Survivalent, tu me dis que tu t'éloignes, ou du moins tu refuses la politique, mais tu t'y intéresses quand même. Mais non, mais la politique politicienne au sens des partis, je veux dire, le, comment on appelle ça, les partis politiques. La caste. La démocratie représentative telle qu'on l'a, telle qu'on l'a dans nos pays, enfin, c'est un système qui me convient pas, qui est verrouillé, qui, voilà. On ne va pas passer ces dernières minutes à parler de ça, mais je trouve qu'il y a plein de leviers. Non, mais il y a plein de leviers. Et il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Il y a des gens qui disent qu'il faut absolument créer un parti pour influencer, enfin se préparer à l'effondrement. Très bien. Et il y en a qui veulent réinvestir l'Europe. Très bien. Pour moi, c'est des échelles trop grandes. On a dépassé un seuil de convivialité, un seuil de taille critique, au-delà duquel les outils qu'on a créés se retourne contre nous. C'est un classique, Ivan Illich, les années 70, Schumacher, etc. Et là, c'est trop grand. Donc, il faut rester à taille dans l'action politique. Je pense que c'est intéressant d'investir la petite échelle, je ne sais pas, municipale, départementale, etc. Mais même sans l'administration officielle, de réinvestir le collectif, quoi. Des manières de faire de la politique sans les partis. Et puis, ce que je voulais dire, c'est que ça, c'est tout un chemin déjà. Réapprendre vivre ensemble, s'organiser, c'est énorme, c'est des années. On n'a pas été éduqué à ça. Démocratie directe, tout ça, on n'a aucune idée. Faire un potager, tu vois, retrouver des compétences du sauvage, se réensauvager. Apprendre à faire un potager 5, 6, 10 ans, c'est énorme. Et puis, il y a toute cette question qu'on n'a pas trop abordée, mais spirituelle, c'est-à-dire de transition intérieure, de comment on fait, de comment on fait pour rester sain, de ne pas devenir fou. C'est aussi un parcours énorme et qui est très différent. Et on est super mal outillé, que ce soit pour les potagers, que ce soit spirituellement, que ce soit au niveau des outils démocratiques. On n'a pas du tout appris ça à l'école, dans nos sociétés, en tout cas en ville, la majorité des gens. Et du coup, ça met des années à acquérir ça, et on n'a pas ces années. C'est ça le problème.